Salut tout le monde, bienvenue pour le 22e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer à une voiture qui a eh bien, remporté fraîchement le mois dernier les 24 heures du Mans. Enfin, Audi a été battu par Porsche. Porsche qui avait inscrit la 919 hybride en LMP1 et qui a donc remporté les 24 heures cette année. Un petit peu de technique sur cette voiture, donc c'est un V4 essence hybride d'une cylindrée de 2 litres qui développe 500 chevaux, une puissance de batterie de 184 kW, et c'est une boîte 7 vitesses pour 870 kg, autant vous dire que ça envoie pas mal. Donc c'est un proto de type LMP1, très intéressant concernant cette voiture dans Assetto Corsa. Par contre, on va tout de suite en parler, elle est très moche, c'est-à-dire que cette voiture n'a pas une modélisation très fine au niveau des ombres, des textures, des reflets, des phares, c'est très brouillon. Vous voyez que les roues dépassent même un petit peu plus de la voiture. Le son n'est pas du tout le bon. Alors le son, croyez-moi, j'ai vu les Porsche rouler cette année aux 6 heures de Spa. Ça n'est pas du tout le bruit d'un hybride, ça fait beaucoup trop de bruit. Mais le son est sympa et donne un petit cachet supplémentaire à la voiture. Donc dans un sens, c'est un défaut pour les puristes, pour ceux qui aiment bien entendre le bruit de la voiture. C'est pas vraiment grave. Donc un mode qui en fait reproduit très bien les caractéristiques des prototypes LMP1, puisqu'en virage on a une grande vitesse de passage en courbe. Sincèrement, c'est pour ça que j'ai opté pour Silverstone avec ses nombreux virages en appui. Je pense à Stowe, je pense à Maggots Beckett Chapel, à Copse. Bref, vous pouvez voir que ce sont de beaux virages et de beaux enchaînements. Et on va vous laisser bien sûr profiter de cette Porsche que vous pouvez retrouver dans la description si vous souhaitez vous la procurer et l'essayer vous-même, les amis. Bon track day, salut! Thank you.
Thank you.